Bien. On va mettre sur la table là-dessus. As-tu déjà tiré de l'arbalète? Non. L'arbalète, il faut la craquer. Fait qu'on vient mettre notre pied dans l'embranchement ici en bas. Puis on a les deux trucs ici. Si je me souviens bien, il me semble que le rouge est à droite. Fait qu'on vient passer la corde en arrière ici. On vient attacher un côté. On vient tirer un peu pour venir attacher l'autre côté. C'est important que nos cordes soient vraiment collées sur le frame. Fait qu'un trou que c'est fait, on se met le plus droit possible pour tirer le plus droit possible. Okay. Pour étirer nos cordes le plus droit possible. Okay. Donc, elle a cliqué, elle est prête, elle est engagée. Tout enlève ça. Okay. Tu enlèves ça. Safe fire. Quand tu tiens une arbalète, toujours la main en dessous, tu ne l'as jamais dépassé un doigt. Parce que si tu te pognes la corde sur le doigt, tu vas bien le doigt. Fait que toujours la main en dessous. Moi, j'ai la poignée ici si je veux m'accoter pour tirer comme ça. Là, on va être sur la table, fait qu'on va s'accoter juste comme ça. Okay. Fait que c'est important que tu mettes jamais tes doigts là. Ça, c'est extrêmement important. Tu as la mire ici, qui est supposée d'être setée pour être à 100 pieds. Si tu regardes dans la mire, la croix dans le milieu, on est supposé être à 100 pieds. Okay. Puis après ça, c'est 25 ou 50 pieds de la shot. Sur ça, il va falloir que je le teste pour être sûr. Okay. Parce que je ne m'en rappelle plus. La flèche. C'est important que l'encaveur soit comme ça pour venir à côté dans la corde. Si tu mets ta flèche comme ça, le cotera pas, va partir tout croche. Fait que souvent, la couleur blanche, la couleur différente des trois, il est en bas. Fait que là, j'ai mon encaveur, je viens pousser au complet. Puis là, on va être capable de le plancher. Fait que... Pas trop facilement. Non. Elle est rentrée dedans. Ouais, elle est un peu en bas. Ok. Elle est en plein centre, mais en bas. Je vais essayer de tirer un coup avec. Rien que pour être sûr. Parce que ça s'est peut-être désajusté là. Ça, tu ne manques pas ton coup, hein? Parce que... Non. T'es fait. C'est one shot deal. Fait que, ils sont collés. On vient tirer le plus droit possible. Là, étanché. Je m'assure que j'étais safe avant de mettre ma flèche dedans. Je viens mettre ma flèche. Je m'assure qu'elle soit bien à côté pour qu'elle parte proche. Encore 2 pouces trop bas. Même un peu plus. Okay. Fait que soit qu'on est plus loin que 100 pieds. Ouais. On va essayer de quoi? Là, on va essayer la deuxième couche pour voir. Parce que là, t'es en pleine ligne droite. Fait que ça me confirme que niveau droite-gauche, mon télescope, c'est pas désajusté. Parce que mes deux tirs étaient en pleine ligne droite. Fait que ça. On va essayer celle-là. Ok. Oh. J'étais un petit peu trop haut. Côté rouge à droite. Il va se mettre à safe tout ça. Ah oui? Okay. En crinquant, il se met à safe tout ça. Tu peux le laisser à fire. Comme ça, mec, quand tu as fini de le craquer, tu vas entendre le ch'tloc. Côté rouge à droite. Ouais, hein. Côté rouge à droite. Tu viens le coller. Parfait. Non, non. Passe-le en arrière. Non, c'est vrai, c'est en arrière. Ici. Bon, là. Là, il faut que tu tires sa corde pour être capable de l'attacher. Comme ça. Ouais, essaye de l'enligner vraiment à la ligne droite avec ton épaule pour être capable de tirer droit. Cool.
Tu t'assures que tu es à safe. Je suis safe. Là, tu peux la lever dans les airs et mettre ta flèche dedans. Ok. Là, tu t'accotes. T'es droitier ou gaucher? Je sais pas encore. Elle est mirée pour de la droite. Elle est mirée pour de la droite, ouais, comme ça? Là? Non, l'autre côté. Comme ça? Ouais. Ok, je pense que donc. Recule ton œil. Faut pas que ça soit flou dans l'optique. Ok. C'est ça, tu me disais la deuxième. La deuxième coche. Assure-toi de pas shaker. Puis tu tires quand tu repousses ton souffle. Ok. Fait que tu prends une grande respiration, puis tu repousses ton souffle tranquillement, puis c'est là que tu vas tirer. Ça a l'air de quoi? C'est un peu haut, hein. Bon gang, c'est l'heure de partir dans le bois. On s'en va à nos spots, à nos caches, essayer de travailler un peu nos spots, aller porter les produits de l'entre-chaîne. Comme pack-sac, j'utilise les sacs à dos Osprey qui sont sur la grosse coche. Ultra confortable, ultra résistant, garanti à vie. Il rend du stock là-dedans épouvantable. Ici, j'ai le Stratos 50 qui est un sac parfait que j'utilise beaucoup dans le temps de la chasse. J'ai mon Kestrel 32 qui est un peu plus petit aussi que j'utilise, qui est plus mince, qui est mieux pour aller dans le bois. Mais pour transporter un peu plus de stock comme aujourd'hui, hache, scie, eau, les produits pour aller porter dans le bois, autres. Mon petit Stratos 50 fait la job en masse. Donc si vous cherchez des fois des packs sacs, vous ne savez pas trop vers où vous lancer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Osprey sont un peu plus chers, ça revient à peu près à 300-350$ du sac. Mais c'est de la grosse qualité, puis c'est garanti à vie. Hey bear! Bon. Ça a l'air de quoi ici? Yes! Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Je vais retourner voir mon chum Alex, accompagné de l'entre-chaîne en fin de semaine passée. Je savais qu'on allait revenir dans le bois. Donc Alex, il est venu, il m'a amené quelques produits, dont sel et minéraux encore. Je vais venir réactiver la saline ici, c'est vraiment notre meilleur spot ici. On est dans une forêt mature. Il y a de la trace d'orignal, il y a des trails d'orignal. Donc c'est clair et net qu'il y a de l'orignal qui se promène ici. On va venir marcher ce bois-là pendant le temps de la chasse. Mais là, je veux réactiver la saline. Donc j'ai des sels et minéraux ici que Alex nous a fournis. J'ai les produits de l'autre fois ici, minéraux liquides, nénuphars et érables. Puis j'ai du concentré liquide, chevreuil et orignal à saveur d'érable. Donc je vais venir mettre ces odeurs-là autour de la saline. Puis alentour ici, Alex nous a fourni mâle en rut. Donc je vais venir pousser un peu de ça sur les arbres pour dégager de l'odeur de gros bocs. Puis on va voir ce que ça donne ces photos. Donc ici, nénuphar érable. Et
Puis ici, mon concentré liquide, ça, ça sent extrêmement fort. Ça sent le bonbon. Fait que j'en mettrai pas trop. Quelques petits pouces juste pour nous mettre l'odeur. On est fin août. La chasse commence dans 3 semaines. Donc, on n'aura pas le temps de revenir pour voir les spots. Donc, je vais y aller tout de suite avec de l'urine de mâle. Je sais que ça commence bientôt. Je sais que le temps du rut commence bientôt. Donc, on va y aller tout de suite avec ça. Avoir le temps de revenir dans une semaine ou deux. J'aurais attendu avant de en mettre pour en mettre dans le temps du rut. Mais vu qu'on ne vient pas, je vais y en mettre l'odeur. Ici, c'est une de nos deux traînes naturelles qui se rend directement à la cache. Donc, je vais aller marcher dans le chemin un peu. Je vais en pousser à 2-3 places. Urine de mâle. Dans le bois là, là ça passe clairement. Ah aussi, là, c'est ça. Ça, ça va être une belle zone à l'explorer. Donc le petit setup ici est complété. On est venu mettre les sels et minéraux avec tous les attractants d'odeur là, que Alex nous avait fournis. Donc j'ai hâte de voir avec les Kodak que ça dit. J'ai hâte de voir les photos. Mais un énorme merci à Alex pour les produits. C'est vraiment super gentil de ta part. On a des Christy de belles salines, des Christy de beaux spots grâce à toi. Compagnie de l'Enchaîne, gang. C'est une Christy de belle compagnie avec du bon monde, des tripeux de bois, des professionnels en plus. Alex, il est caméraman pour des films de chasse. Il chasse lui-même. Ils ont des super bons produits. Donc, allez voir le site web de l'enchaîne.com. Je vais mettre le lien dans le bas du vidéo aussi. Allez voir le site web. N'hésitez pas à les contacter. C'est vraiment du super de bon monde avec des cristis de bons produits. Autant pour le chevreuil, l'orignal et l'ours. Ils ont des produits parfaits. Puis, comme vous avez pu voir, si vous connaissez, si vous regardez un peu mes vidéos, comme vous avez pu voir aussi, ils ont une gamme d'épices avec les épices du guerrier. Impressionnante, hallucinante. Moi et mon frère Joe, on cuisine beaucoup avec ces produits-là. Donc, n'hésitez pas, allez voir le site web, puis contactez-les. C'est du Christy de bon monde. Bon gang, on arrive à Dame de Castor. On va venir essayer de travailler le coup un peu pour libérer de l'eau dans le chemin pour être capable de passer. Parce que pour l'instant, à pied, on n'est pas capable de se rendre à notre cache, mais pas en tout. Fait que c'est le projet pour la prochaine heure, les prochaines 2 heures, si on est capable de se rendre et d'avoir accès. Parce que là, là, c'est le bordel. Hey, il y a de l'eau en tabarnak, il y en a plus que la dernière fois. Oui, ça veut dire réserve, je trouve.
Hein? C'est une tête de cochon. Hey, Chris. Pour vous montrer un peu ce qu'on veut faire, le but de la chose, c'est de faire deux ou trois tranchées comme celle-là qui vont venir dégager l'eau dans le chemin le plus possible. We have created something. En 15 minutes. Hey, ça a fait un job en calice. Belle tranchée qu'on a faite là. Bon, on voit jusqu'à quel point ça s'écoule là. Mais je pense qu'on vient d'avoir de quoi de winner en calique. Ça va le faire, hein, ça? Oh, oui. Bon, job done. On a fait. On pensait faire une tranchée, finalement on a fait deux. Ça fait la job en tabarouette. Ça a déjà. Tout le long du chemin, on a déjà perdu un 3-4 pouces d'eau, certains. Ça va être pas mal plus agréable venir ici cet automne, mais qu'on vienne se promener si on est capable de marcher pas dans 3 pieds d'eau. Hey la gang! Prise 2 de notre session de tir de la fin de semaine. Hier, on a tiré que quelques flèches à l'arbalète. Aujourd'hui, Joe, il a son fusil pour le petit gibier. Moi, j'ai ma carabine, ma 30-06, puis on a l'arbalète. Donc, on est venu dans un pit de sable où il y a zéro danger, zéro risque, rien. On se met dans le bas du pit de sable. Comme ça, s'il y a une balle qui passe droit de quelque chose, on est sûr qu'elle ne fera pas un mille de long et qu'il n'y a aucun risque de blesser personne. Donc, soyez extrêmement prudents quand vous allez faire du tir de pratique. Il y a des places spéciales qui existent pour ça. Si vous n'avez pas accès, si vous êtes dans le bois, sinon, comme nous autres, trouvez-vous des spots le plus safe possible. Ici, on est chanceux, on a un Christy de beau pit de sable pour venir tirer. Fait qu'on va en profiter, puis on va venir tirer quelques balles, puis pratiquer, puis s'assurer que les carabines et fusils sont bien ajustés. Mais soyez prudents quand vous faites du tir de pratique, là, c'est la base. Pour tirer à carabine, je conseille fortement de vous amener des chons.
Et Chris, j'étais pas loin. Esti que j'étais pas loin, mon homme. Ciao bye la canette. La carabine est ajustée. Il est temps. Je vais essayer avec ces balles-là, voir. Je viens de tirer 5 balles. Joe en a tiré 2. Moi, j'ai tapé ma première canette que j'ai voulu taper. Je l'ai eu avec 2 balles qu'on peut voir. Si on regarde derrière la canette, là. Je l'ai eu avec 2 balles. Si on regarde le derrière de la canette, là, on peut voir à quel point ça fait du dommage. Joe a tiré 2 balles. Il était pas sûr d'avoir pogné ses canettes. Moi, j'ai tiré par la suite 2 balles de plus. J'étais pas sûr d'avoir pogné la canette non plus, parce qu'on les a pas vus bouger. Quand je suis arrivé sur le spot où sont les canettes, on s'est rendu compte que Joe est 2 en 2. Il a eu ses 2 balles parfaitement. Moi, sur cette canette-ci, je suis 1 en 2. Donc, une canette à environ 100 pieds. On a tiré 6 balles. On a 4 canettes d'atteinte. Je pense qu'on est pas mal setupé pour la chasse. On va retirer quelques balles pareil pour le plaisir. Mais la carabine est ajustée. La carabine est prête. Joe, il est 2 en 2. Fait que ça me rend encore plus confiant pour la suite. J'aurais pas peur de laisser une carabine dans les mains pour la chasse. Bon gang, juste au tour de Joe de me faire découvrir quelque chose. Moi j'ai fait tirer de la 30-06 la première fois. Moi la seule fois que j'ai tiré au fusil, c'était au chevreuil puis c'était avec des slugs. J'ai jamais tiré de balle avec des plombs. Fait que moi ça va être une première. Joe, on tire avec quoi? Écoute, ma première arme, j'ai décidé de m'acheter. Ben en fait, je me suis fait conseiller de m'acheter un 20 superposé. J'étais allé avec Accor. Je connaissais pas la compagnie, mais on m'a dit que c'était quand même assez bien. Accor Churchill. Puis c'est ça. Écoutez, on va essayer ça. J'en ai aucune idée, mais il me semble bien. C'est un beau fusil, puis il est léger. As-tu tiré avec toi, Dot? Non. Ok, fait que c'est une première pour toi aussi. Oui, c'est une première pour moi aussi. Là, fait que j'ai bien hâte de voir là, ce que ça va donner. Là. Cool. Fait qu'on s'est réinstallé de la canette, puis on. Yes! On va aller nous faire croire que c'est de la perdrix ou du lièvre. T'as voir. Ah ben la canette. Oh, que c'est cool ça, mon ami. Ok, ça va être à mon tour là. Donc, niveau choke là-dessus, c'est un deux coups. Donc, Joe, il avait précédé au préalable justement pour le petit gibier d'avoir un choke qui va aller plus serré, qui va regrouper tes plombs, puis un choke, le deuxième coup, qui va avoir tendance à ouvrir un peu. Donc, moi, sur l'arme ici, je peux venir choisir up ou down. Fait que, on va aller tester ça. Ton safe, il est... C'est dessus, il se glisse. Rouge, rouge t'es chargé, puis noir t'es... Ben, ok, safe, fire. Quand bien la canette. Quand bien la canette. Yeah, man! Ouais, ça va bien. Hein? Fais les balles. Good! T'en retires dans deux autres, là. Tu veux? Fatigué. Deux en deux, les amis. Donc, gang, après une petite session de chasse, nos canettes sont bien amochées. Elle, pareil, c'est elle qu'on a le moins tiré dessus à juste une balle. Celle-là, avec le fond. Mais celle-là, on s'est royalement amusé dessus. Puis, elle mangeait une bonne volée. J'irai pas à vendre, on s'entend. Pour le Vincent, là, j'irai pas à vendre. Christement plaisant, merci à mon frère Joe de m'avoir fait essayer son fusil vraiment cool. C'est la première fois que je tirais avec des plombs. On est prêt pour la chasse, bien sûr.
la journée avant d'aller chasser à l'arbalète, on va réinstaller la cible, puis on va retirer plusieurs flèches pour être sûr qu'elle ne s'est pas décétée en cours de route, puis dans l'auto en s'en venant. Donc, c'est important d'aller retirer avant d'aller à la chasse. Mais pour aujourd'hui, on a eu du fun dans tabarouette. Donc, ça complète pour moi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y a plein d'autres beaux road trips qui s'en viennent. N'oubliez pas de liker et commenter. Venez me voir sur Facebook, Instagram si vous voulez voir les photos. Puis si vous voulez venir me jaser en privé. J'ai aucun problème avec ça. Je réponds à tout le monde tout le temps. Donc un gros, gros merci. Joe! Hey! Merci à vous autres! Les gens yes! De malade, là. Fait que salut gang! Prenez soin de vous autres. Puis n'oubliez pas de vous abonner. Ciao bye!